Ok. Ok, non, mais... Mao Bembo. Ok. Je m'achète une petite caméra comme ça. Ça, quand on a un studio, je filme un peu et après on fait un CD. On a plus ça dans le DVD des clubs. Making of. Il y a ça, ça, il y a un peu de famille, tout va pas. Oui, malgré la roue belle. Maintenant, vous avez la roue belle. Avec ça, ça. Le projecteur est dit cassé. Mais là, quand même, ça ira. Donc, je crois que la première semaine prochaine. Attends, vas-y doucement quand même. Hein. 0-21-45 et puis. Ah, Somerville. Ok. Ok, et puis après. Ok, je sais. Massachusetts. William. Da Silva. En un seul mot, Da Silva. Amis téléspectateurs de Tropicana TV, je vous l'avais promis il y a quelques temps, c'est depuis peut-être le mois de juillet dernier, que je devais recevoir Papa Wemba dans une émission spéciale. Eh bien, on a couru derrière lui depuis bientôt 5 mois. On a fini par le voir. Alors, Papa Wemba est aujourd'hui avec nous dans un cadre superbe, un restaurant de Paris, African Grill, qui a bien voulu nous accorder son cadre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Papa Wemba, que vous connaissez et qu'on ne présente plus. Depuis qu'il a connu ce problème, il n'a pas encore parlé à Tropicana TV. Alors, nous avons voulu le faire aujourd'hui, à votre nom et à mon nom personnel. J'allais dire d'abord merci à Papa Wemba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Papa Wemba, ça vous fait quoi que Tropicana TV vous court derrière depuis 5 mois? Courir derrière, ça c'est très dire ça. Mais je sais que j'ai toujours eu le plaisir de... d'être vu dans cette chaîne de télévision, le canal Tropical, qui est une chaîne qui est bien diffusée et qu'on voit très clair des images et qui appartient d'ailleurs à un ami, ah ouais, que je salue d'ailleurs. Et je crois que nos horaires ne correspondaient pas. Ah ouais. C'est pourquoi bon, bah, aujourd'hui je suis là. Et je remercie tous les spectateurs qui nous suivent actuellement. Quoi. Okay. Merci Papa Wemba. En tout cas, depuis que vous avez eu ce problème, ce n'est plus un secret. Alors les gens se posaient, quel est votre climat psychologique aujourd'hui? Comment vous vivez tout ce que vous avez vécu aujourd'hui? Tu sais, il y a un temps pour la traversée du désert. Mais quand on traverse le désert, c'est qu'on abandonne tout. C'est-à-dire que dans le désert, peut-être, tu n'auras pas de l'eau, tu n'auras pas un abri. Ouais. Tu es toujours sur le chameau, ou alors devant ou derrière le chameau. Et c'est un passage comme ça, pas à vide, mais un passage où on laisse le temps de bien réfléchir, de bien mûrir la chose. C'est comme qui dira qu'après la pluie, c'est le beau temps. Moi, je crois que, bon, actuellement, psychologiquement, je ne dirais pas que je suis abattu. Loin de là, au contraire, ça m'a rendu encore plus fort. Apparemment, vous avez même pris du poids. Oui, donc, ça m'a rendu encore plus fort dans ma tête et dans tout ce que je fais. En tout cas. Alors, Papa, il y a des gens qui nous envoient des emails, ils nous posent des questions. Est-ce qu'ils veulent savoir quelle est la différence entre Papa Wemba d'avant et Papa Wemba d'aujourd'hui, sur tous les plans musicaux? Sur le plan artistique, sur tout le plan, en fait. En tant qu'homme, je reste toujours la même personne. Je n'ai pas changé de nom, je n'ai pas changé de visage. Je ne suis pas allé voir un médecin pour me changer quoi que ce soit. Je suis toujours comme à l'accoutumée. Mais bon, je suis aujourd'hui un nouveau-né spirituellement, quoi. C'est-à-dire que j'ai mes deux pieds dans la vie chrétienne aujourd'hui, quoi. Donc, j'essaye, moi, de...
de me mettre dans cette vie-là, une vie nouvelle, quoi. Voilà. Alors, Papa Mba, il y a des parents qui vont nous suivre. J'aimerais bien qu'on passe en Lingala. Il y a des parents qui vont nous suivre. C'est spécial, Papa Mba. Alors, Papa Mba, bisotant dozo kola, tu es bien que Papa Mba, à Mba, à Saint-Joseph, à Zaki Mondimi déjà. Zaiko Baki ba garçon mingi à la collège Boboto, batu à Saint-Joseph, tout ça. Pourquoi l'élo? On peut parler de l'église avec insistance, c'est pourtant tout Congolais est croyant quand même, Papa Mba. C'est vrai, Ndengozolo Baki, tout Congolais est croyant. Ouais. Mais il y a croyant et croyant. Dans 1 Corinthiens 12, on nous dit que apôtre Bakozala, prophète Bakozala, ceux qui auront de dons pour parler en langue, Bakozala. Ceux qui auront de dons pour déplacer les montagnes, Bakozala. Prophète, pe Bakozala. Docteur, Bakozala. Mais est-ce que, Bakozala, apôtre, Bakozala, prophète, Bakozala, n'a don. Ce qui bâtit amour, Katina Bangote. C'est vrai qu'on est tous des croyants. Mais est-ce qu'il y a ta croyance, ou un bolingozali, n'a katia croyance. Parce que tu peux avoir la prophétie. Rose à la espérance, rose à la peine à amour. Mais il faut amour et à la ponzambe à ce ibsabiso à l'oubi. Tout lingaye, tout salé laye, tout utiliser énergie corporelle, l'abiso nios tout pendant que salé laye. Mais il faut au linga pe moninga na yo. Il faut linga moninga na yo. C'est que l'oko wana tout ce que tu analyses, tout est en routine na maka na kombo ya bolingo. En français, amour. Le plus grand commandement de Dieu. Le plus grand commandement de Dieu, donc ils allient amour. Donc ça veut dire qu'avant, bon, non, l'ingabani n'a pas, papa. Non, je ne dis pas parce que y a le lobby que le peuple congolais, ils sont tous croyants. Il y a un lobby, mais il y a croyants et croyants. Uh-huh. Donc maintenant, il y a une différence par rapport à la croyance là, elle pour ça. Bon, je crois que avant j'étais croyant, non pratiquant. Nazako pratiquait Pinzate, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dis que je ne mange pas mes mots, je suis croyant pratiquant, chrétien pratiquant. En tout cas, alors Papa Mba, tant que vous m'avez interpellé, vous êtes très surpris. Tu es bien bani. Mais toi qui t'es surpris, ma chaîne de télévision, surtout ça, il a eu un problème, là, Papa Mba. Tu es au monde à influence d'Indi, aux Alangos, dans le monde musical africain en général, et puis congolais en particulier. Alors, tu es là, Lélo, Papa Mba. Est-ce qu'on profite de moi publicité ou là, tu vois, mon mes ou bon, tu habites. Si tu appelles ça publicité, c'est ce que bien en publicité. Bon, à la fois, c'est une publicité, mais bon, on jette la pierre calabre à fruitier. C'est-à-dire, dans un bon maoyo, dans un bon ma côté là, mon toutou, à la poussa y a un lien, bon maoyo, y a côté là. Bon, je ne peux pas être à la fois jugé parti pour la banaroloba. Ceux qui ont zanani, ceux qui savent où on a zanani, bon, je laisse le droit, il y a ça le témoignage sur moi. Ça fait quand même 3 décennies et demie quand même dans la il y a Moussala Yango. Et je crois que ce qui tire le lot, tous allés qu'au tenir car dans Moussala Yango, c'est qu'il est foutu en Yango, Yango Oyoyo Tolobawana. Toutes les chaînes de télévision à la une, ils ont parlé. Et ce qui m'était arrivé et tout, ça n'arrive pas à tout le monde. Aujourd'hui, on a vu dans des chaînes de télévision Michael Jackson avec des menottes. Donc ça n'arrive qu'aux gens comme ça, quoi. Comment vous avez vécu, par exemple, l'arrestation de Michael Jackson? Est-ce que vous avez fait un rapport avec... Non, rien du tout. Lui, il est arrêté pour autre chose. Moi, j'étais interpellé pour autre chose. Ça n'a rien à voir, ces deux affaires différentes, ça. Ouais. Merci, papa. Alors, tout le monde, tout notre activité à Viva Lelo. Nouvelle tendance et salami. Tout le monde, ma petit mingi, presque mingi à quartier la Théma à la Côte. Blaise, qui paye à Serge Mabial, qui paye à Ouera. Champion, tout le monde, et tu as un talent comme on est qui mingai. Alors, papa, Mba, orchestre, c'est ce qu'on a qui. Nouvelle écrita qui sont restés un peu longtemps avec toi. Dengeline Lelo, situation là-bas. Tu es qui est. Et ça presque demanda, même sous son espoir, un jour de te retrouver. C'est vrai que Bozo Lingabo Kotsa,
eloko oyo na bango na biso tozana ngote songi songi ya koloba ke ndenge ni nouvelle écrita sur nos nouvelles écrita c'est un groupe oyo c'est sali oyo c'est sali kombo nango oyo eza ko sala oyo eza ko sala pendant makam nango la preuve ane ceux qui boyo ki album na bango oyo to bimasika somo trop mais c'est impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Au Kansa, ba mikolo nde ba tu ba beti album wana. Mais c'est des jeunes qui ont encore 25 ans, 30 ans. De bazan penda bana oyo pona nga vraiment na pisi bango coup de chapeau, ils ont fait un travail remarquable. Oyo oyo ba tu nyos tu bandimi. Nouvelle écrite existe et coexister toujours. Et vive à la musique à court de grand et coexister toujours. Vive à la musique à tendance, Oye Salami Awa. C'est juste parce que nous avons tous un seul amour qui est la musique. Et que bon, Awa, il faut reconnaître que Ngaï, jusque-là, je suis encore sous contrôle judiciaire, donc je ne peux pas sortir de la France pour Nabengisa. Bon, on a eu la décision quand même, il y a que ça. Tous les jeunes au Basali Awa qui sont venus parce que musique de Kumbaki Bango Awa, tout ça n'a décidé comme quoi. Et le gars Baza n'a vu un Bango Bango Koto grand prêtre. Donc il a fallu un petit tout Baya Simanangai pour tout ça la nouvelle tendance quoi. Avec Namotoloko, la maître John, qu'on bon, peut-être beaucoup moins aille prochainement, Nababilili. Tout Lukaki, tout Zoua, moi, ma petit Wana, tout Sangisabango, pour tout Kumba et Lokango. Et je crois jusque-là, tout ce qui sali trois productions en avant, la Zénith de Paris, la Lyon, et puis la salle LSC. Bon, c'était à la satisfaction générale. En temps, on a mis 600 mots trop sommes. On a mis un single spécial vraiment. Tout bien, on a mis un profane dans le domaine. Le profane, on a tout mis. Est-ce que ça sera une tradition, chaque fois où on a mis ce disque, il y aura d'un côté. Et puis, tout le temps, est-ce que c'est possible de marier les deux choses? Koyembe la musique normale et puis chanter pour Dieu. Je crois qu'il y a différence où est ça là, quand chanter pour Dieu et que ça la musique est profane, peut-être un thème. Et ça thème de Moudéra Tamoussoukou changé. Mais la musique reste toujours la même. Ce sont les mêmes accords, ce sont les mêmes accords. Est-ce que ce sont les mêmes accords? Mais la diabolo. Ce sont les mêmes accords. Diabolo, yaka, yaka, kousalisanga. Pour les gens, ils n'ont pas si bon à voir. Non, jamais, ils n'ont pas si bon à tenter. Ils n'ont pas si bon à quoi. Donc, je crois qu'on continue toujours sur la même voie. On a toujours ondé Nzamba à Bengisinga, à Bengingai, on a toujours demeuré tout le temps. Voilà. S'il faut, là, ça, là, 80% de Nzambo, il y a qu'à louer et puis il y a qu'à adorer Nzambé. Bon, on a ça, là, 20% de Moussoussou, il y a pour la musique kaka. Ou alors, le contraire, il y a qu'à volonté Nzambé. Donc là, vous promettez. Désormais, on vivra des choses comme ça. Oui. Dans chaque album, on a eu qu'à louange Bandozala ou adoration Bandozala. Alors, papa, on va vous parler de vous en tant qu'artiste. Il y a quelques années, Tomolara Yona Yusundu, on a un artiste africain, Msusu. Vous faisiez le tour d'Afrique pour parler de la paix. Je me souviens, mon ami en Angola, les années 95. Papa, depuis un moment, vous ne faites plus ça. C'est lié à quoi? Ça, c'est la CICR qui avait mis des moyens. Aujourd'hui, peut-être la CICR a commis la Makamunaye Moussoussou. Mais si il va encore faire appel à moi, par exemple, dans ça, là, le quoi, on est un scout toujours prêt, je répondrai. En tout cas, alors, Papa Mba, la Zongil Kamba popularité d'ailleurs, aux attraits populaires, tu se rendre compte, les lots que Papa Mba, tu as un artiste. Alors moi je vais vous parler par rapport à la vie politique en Burkina Faso. Et ça, secrétaire, nous avons connu vraiment des problèmes sérieux, Papa Wemba. Alors les gens se disaient, la position de Salamaki, tout le monde s'est intéressé, société civile, l'église, tout ça, sauf les musiciens. Nous nous adressons à vous aujourd'hui, vous en êtes doyen en activité. Lélo, Papa Mba, 5 ans de guerre,
silence total côté musicien. Personne n'a fait une déclaration, même pour l'en soutenir, pour soutenir la guerre, ou bien pour leur fustiger le comportement à pays étrangers, pour embêter Bisso. Papa Mba, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Laisse-moi te dire ouvertement que la politique, c'est un couteau à double tranchant. Les lois, on a supporté un tel, et que bon, lobby, ceux qui, opposition, Moutouillé, automatiquement, on a commis indexé du doigt. Automatiquement, on a comment indexé du doigt. Mais je crois que, dans le pays, le rôle à Yabiso, dans nos artistes, dans nos libertés, il y a que s'exprimer librement sur le plan politique dans l'outil. Liberté, on va appeler ça binoté, il faut que le mot va appeler ça. Si, si, mais n'est-ce qu'il y a une photo sur la liberté, ce qui t'osa, Bissopé, Bamissé, ce qui t'osa unis ici, à mon côté. C'est juste que là, on est unis, mais quand on a Mounoko, kaka. Tout ça, unis, on a Mounoko, Lélo, Sala, Sala, Constat, Bengisa. Il y a ceux qui primo, ceux qui scolent, Montelingui, Sala, ceux qui tournent. Mais tu verras que tu as deux, trois rats à Tobagoya. Deux, trois rats à Tobagoya. En tout cas, lutter dans le monde. Mais quand lutter dans le monde, c'est un mot. Lutter dans le monde, c'est un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Ils allient l'esprit, il y a mal où ils allient. Kovanda na yo nde moto ezako boya moninga wana ou alors esprit ya Satan ezako kovanda n'est pas moninga wana nde yo komi ko benga moninga na ennemi mais moninga na ennemi na yo te moninga na ennemi. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça? Je crois que na osenga na gouvernement les lobos quand même nous n'avons plus 30 ans, nous n'avons plus 20 ans ou 25 ans aujourd'hui. J'ai 54 ans, je crois que je suis dans la communauté, j'en ai 3e âge, quoi. Ma personne a la responsabilité, Oana. Ma personne a la responsabilité, Oana. Pas responsabilité, mais avec des moyens suffisants. Bon, voilà, au Lobacatro, bon, si vous avez nos responsabilités, il y a des moyens. En tout cas, tu résumes la question, Anasuka. Le papa Mangana Zoyo, en tant qu'artiste, les Losail déjà depuis Zaïko. Là, tout le monde, question d'actualité, tu es quand même. Mais tu as dit que 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 tu as dit avant na koma na Zaïko, effectivement, j'étais en train de répéter avec le groupe Stukas. Non, aki master nanga nazo kamata yeye mwana toke na ekomoraf na ola ksendinge bayembaka stuka se sala ki orchestre ya bana ya papa oyo ya Holden Roberto Holden ya ki bana na ye batu bazaki ba fondateur ya orchestre wana le quoi repetio za ko sala bana imo Congo donc 20 mai litabe mo pe ba ova na 20 mai donc ka pembeni na bango wana voilà. Mais na wumela ki pendant mingi te et puis tout tira rapé ko beta ta concert mon côté et c'est par là par après que fut fondé le groupe Zaïko Langalanga. Alors voilà en 69. Ouais, juste kaka pour préparer anniversaire à Zaïko bientôt, on fera un document spécial. Adamas va juste un extrait papa Mba. Zaïko depuis babi yom tozaki premier chanteur. Et la suite c'était comment? Et puis, la suite c'était Josar. La suite c'est juste ça, les tout premiers. Premier chanteur, c'est-à-dire, il y en a devant moi dans Bobandé, Non. Devant moi dans Bazalaki, déjà, il y a un orchestre qui existait déjà, qui s'appelait Belguide. Alors, on a comme par hasard, on a eu un orchestre sur Popo Kabaka numéro 10, dans la commune de Kasavubu. On a eu la tente dans Bango, on a eu le Pangouana. Comme par hasard encore, un groupe qui a eu jeune, il y a eu un répété dans le Pangouana. Je me suis approché. Bon, na sengaki bango sio bako ko yokanga ndenge na yembaka. Na groupe wana ki balani. Na groupe wana je connaissais pas. Na yebite. Bon, na sengi bango sio na ko yemba, ils ont accepté. Bon, na yembi. Et puis après, bon, li solo ya ba ninga nanga e patente na bango esili biso to zongi. Alors, fondateur ya groupe wana zalaki Deve Mwanda. Lobby nango ba bomi groupe wana. Tant qu'on a l'équipe, il y a un groupe qui a gardé
qu'une seule personne. En l'occurrence, il y a Pépé Félé, qui était le guitariste, il y a Groupe One. Alors, bah, yoko Zouangai, c'est là où Zaïko est bandé. Ah, ouais. D'ailleurs, comme moi, langa langa langa, on appelle ça. Ah, ouais. Langa langa. Ah, ouais. Papa, je travaille, je travaille, je travaille, tout ça. Et plus tard, après. Il y a deux chanteurs. Tu as deux chanteurs au départ, car il y a un peu de temps. En tout cas. Alors, papa, je vais tout le monde, je vais puis on va préparer un document spécial. Alors, je vais vous dire, le loi tant qu'artiste. Tout le monde, je vais vous dire, je vais vous dire, moi, je suis dit, coco. Pourquoi vous avez dit, vous avez bon, mon bimba, je vais vous dire, kala. Bana lelo bazoe bateke miziki na biso kalizaki vre. So go petango benda ba remake ne ba lobaka, to moni na France c'est ça la maka. Patrick Bruel to yema ba nzema des années 40 na bota maite. Ateke mo 1 million 500. Pourquoi go bande ta ba nzema kala na TV? Ata ba ta boule ite meme ya viva kala. Ara go rappeler ka batman ba mon mambo ya bien. 1 million 500 ya vente wa nozoloba. Ah en France et avec quel chanteur français et avec quel public français? Et avec quelle économie française? Mais nous avons un grand réalisateur, il y a musique congolaise. Avant même tout, ben, les solos, j'étais en train de discuter avec lui. On a l'oubli que ceux qui vraiment ont s'installé très très bien à Kinshasa, avec des moyens techniques qui a très très bien, je crois qu'on peut rafler toute la musique, on peut porter la musique congolaise vraiment devant. Comme a toujours été, puisque bon, la musique congolaise, pour moi, c'est la maternité même de la musique africaine. Mais Lelo, bon, faute de support, faute de gens capables, oh, bah, qu'on pousse la musique wana ma musika, et que musique wana, bon, les autres la musique qui se vend, mais qui ne fait pas, qui ne nourrit pas vraiment son homme, quoi. Mais or, dans cette musique-là, nous avons des gens capables. Des gens capables. C'est vrai. Le gouvernement, mais armement, qui est musique. Pendant une période creuse ici, là, mais c'était la musique qui a. Qui a vraiment. Économiquement, on est mort, socialement, oui, mais c'est même quand on parlait, même pendant qu'on parlait dans le pays, bon, dans le monde, c'était la musique, on va Ndombolo Oyo, bah Nini, bah Koffi Olomide, bah Jibem Piana, bah Werason, bah Kester Meneya, bah Nani, Rochero, bah Nani, qui ont fait des grandes scènes à travers le monde. Mais je crois que le gouvernement a moins souci. Il y a quoi investir sur la musique. A moins souci. Il y a quoi là-bas, artiste, musicien, bah moyen. A souci. Il y a que artiste, musicien, à coma moto. Tout s'est démerdé, bisomoko. Les lots qui battent le col là-bas. Koffi Olomide, pour ne parler qu'un peu de lui. Qui a maintenant un chez-soi dans un quartier chic, mais c'est ils allaient effort na yé beaucoup. Mais ce qu'on est au Sénégal, on écoute à Montreux quoi, Youssoundou, qui a au moins deux ou trois studios, mais c'est le gouvernement qui a pris le devant tout d'abord. À l'objet non, musique na biso pour na tout rehausser côté nango, il faut tout ça la carrière du bosso awa. Yo le col aux allées moi na mboka to pisonon nous ba moyen au bandana nous. Et puis par après, bon, aujourd'hui, le Sénégal n'avait pas une musique. Mais aujourd'hui, on reconnaît le Sénégal par le canal. Il y a Youssou N'Dour et d'autres musiciens aussi, quoi. Parce que l'État était derrière et que l'État avait investi et que l'État a pêché en haut dans les musiciens, dans les gens qui ont géré dans les Likambos. Si on pêche en haut dans les politiciens, dans les Bouba. Bon, quand maintenant le Likonda wana, bah tiens on approche là-bas. Ils allaient avec 1000 francs, bah on y a qu'on présentait ta monsieur sur 350 francs seulement. 650 wana kamati à Tiango, puisque ayebi que musicien aya aza naïf, y a pas droit naïe. Alors maintenant, bon tiens biso devant fait accompli n'importe quoi qui awa, bon confiant on a un amutuloko langanan. Attends, vous pensez que bon hôtel mais bah moyen kaka. Donc on a ça na batu oyo fonga na beng sa base la pemé lokola ba maestro Suzy Kaseya pour yayebi
il y a pas non pour flatter été mais il y a yebi donc tu le vois la négro on a vraiment oh yo te reluca tout travailler la main dans la main pour notre parce que tout le monde a ressusu attend ma kama bangulu oh yo bangulu que bah musicien bah y a quand bah musicien mais suite il y a ma kamutu ana et allez suite à ma kamunio sur tout oh yo pourquoi quand faut musicien ah y a quand on a poto pour y a ko bête quand la musique pour zombong wa ebili. Mais dans le passé, on vous a donné le moyen, ma vieille lèye, ma zora, ma vieille lèye. Mais pensez qui on a, ma pensez qui, ma vieille lèye, ma pensez qui, bango. Ma pensez qui, bango, peut-être, n'a pas âge haut, n'a pas âge haut, parce que nous, peut-être, n'attend à que ça, la moi, folie, mouké. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus que n'a pas, pensez qui, bango, on a comme un tambour, on a nos sommes mandakou, mais non, mandakou, n'a pas un. Voiture nazanango, le kumu nazanango. Je crois que na konuka beaucoup plus na travaillé pour na jeunesse au Ezali Kouya. Une expérience nazanango, na konuka beaucoup plus na travaillé pour na jeunesse au Ezali Kouya. Bon, ça la ka moi preuve à mouke kakata mouke, à ta délai ezala, bon, tu pèsio pendant 3 ans, 2 ans ou une année kaka, bon, ta la kaka. Il y a des bolos bon non mais comment t'as les condamné yo otia nous tournons à bino l'état vous êtes sur ma cave minduki vous êtes sur ma bacar na bino bino moko vous êtes tamano on a ba balabale fusa na kisasa vous êtes tamano on a bacar na bino na ba balabale fusa na kisasa vous êtes basi partout y a ba 4e bureau bino bino musicien à bacar à danser na ba ville moko avec quel moyen na ba effort personnel, biso il est bas effort personnel, na biso moko, il est effort personnel, dis ce qui le loba papa et ma bazali, mais ça effort personnel, et ça au départ effort personnel l'engagé. Là, je pense que si biso dans 8 mois libre, on a toutes nos questions moko et tout notre service mingi, musique l'option de mouton loba berceau presque à musique africaine, les lots tous à tous au bête dans la salle miné ou tout bête à la zénith calaté. Pourquoi tu es absent dans l'espace audiovisuel français? Bah clip zaté. Bah français bah zoko tabina la musique n'a pas sauté. Pourquoi tout ça papa Mba? Vous qui avez assez d'expérience dans le domaine voilà. Sommes-vous que clair bah amis téléspectateurs. Les chaînes de télévision françaises au départ elles ont défendre variété française. Ça c'est la politique qui est mise sur place ici là. Et puis la musique congolaise, ils en a duré mon côté. Si vous croyez que awa bayoka ka musique congolaise, vous avez mis kosama. Justement pourquoi? Bayoka ka yango te, ezali juste na moi créneau moko oyo musique congolaise wana et betaka. Ezali juste na créneau moko. Ce que tu le dis que musique na biso et kota na nini tout biso moko to ya to s'installer et to travailler sur cette musique là. L'andengeni, c'est-à-dire que créons notre propre chaîne de télévision ici, créons nos propres réseaux Oyo et Koki maintenant pour attirer attention à Bango pour s'intéresser à Bango. Mais avec quel support? Avec quel support? Ce Bamsou Bazo le Kamoko Moko. Na support nini. Déjà musique n'a besoin déjà au Kamata. Bon, j'ai. Nagoloba question à langue te. Nagoloba pe question ya nini ya qualité pété. Mais question à durée. Une chanson peut te prendre, je sais pas moi, 5, 6 minutes ou 8 minutes, voire même plus. C'est un handicap alors. C'est un handicap au départ. C'est un handicap au départ. Et puis la politique qui est mise sur place ici, mais ça pour favoriser tout d'abord là, la variété française. Et puis la musique anglo-saxonne y est après. Moi, mon ke oyo ya bango musu ba yo kakango ba ezala ba pourcentage moko penda ya moi muke et notre musique je doute fort que beta daba mais c'est pas ça miné à moins que vraiment ça peut-être les locaux bango ba c'est plus dans et à combien de minutes alors dingue tout sur beta bango zo moi quand même sur le plan commercial ma mon musique n'est plus rentable quand même rien du tout. Rien du tout tout ça dans la salle miné tout ça rien du tout. Ah ouais, vous pouvez m'expliquer comment. Vas-y savoir un peu. Ah ouais. Vas-y savoir un peu quoi. Vas-y savoir un peu. C'est pour ne pas décourager les autres. Disque d'or. Bon, disque d'or, ici en France, pour avoir un disque d'or, il faut avoir vendu au moins 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires. Rien que quand on va céder.
Ils ont tout qui cassé, tout qui... Non. L'ensemble, on a été rien qu'en France, quoi. Bon. Évidemment, Moutilo Kolanga, là, on a joué un disque d'or en France. Et puis, on a joué en États-Unis, c'est avec Peter Gabriel, Isaki, Kakanga, mon côté, qui voilà, vente, il y a papa, il y a Moko, non. Avec un grand chanteur, il y a rock anglais, qui est Peter Gabriel. Moi, ma caméra, elle est belle, sinon, bon, on a qu'au risquer, on a froissé, Baninga Moussousou, en disant des choses que je ne peux pas dire. En tout cas, alors, vers la fin, papa, avant dernière question. La France, ça va la tournée des enfoirés. Artistes, Koutani, théâtre, tout ça, tant au monde, on a vu qu'on vive avant des années. Ba Franco ba Koufa awa ba Kabasele ba Koufa awa ba Paviki Longoma ba Koufa ba Soki Vango ba Koufa ba Soki Dianzeza ba Koufa ba tout ba chanteur ba musicien belé ba Koufa osoyo kata mukolo moko keo voilà Pritel pri lombo makiadi osoyo kata mukolo moko soirée Kabasele Chamala. Donc il faut penser nous tout pour qu'il est longue comme propre. Donc je ne peux pas m'hasarder d'aller tout seul et dire bon voilà ingaï. Ce qui va vous sur en tout cas. Alors papa Mba, les informations dans Zopé Sayo, société à communication Celtel, là une brasserie de la place, Bazo préparer un projet comme ça avec le ministère de la culture. Bassangsa artiste musicien congolais, l'été prochain, Bassa la tournée à travers le monde pour récolter des fonds pour ces pays. Impressionné Salio, Obi Bassenga ba moyen. Quel genre de moyen Koko Senga le ballon d'habitation en direct? Pouvez-vous adresser directement, par exemple, au ministère de la culture? Non, mais je crois que le ministère de la culture, au départ, Yomoko Zalana, on a souci à la culture. Parce que la culture, ce n'est pas seulement la musique, quoi. La culture, c'est en général. Et nous qui vivons à l'étranger, Botché Labisso aussi va conseiller culturel. À l'époque, nous, on voyait bah, groupe traditionnel, Pende, Rouya, Awa, Kena, festival tel. Et le Balé Zakoya Mingi. Awa, nous avons encore tous ces moyens-là, Yago Salayango. Et on voyait cet échange d'un pays à l'autre. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pourquoi? Le Lobo Zui, il connaissait peut-être que Bo Sangsaba, musicien. Mais il faut départ nango et zalanano. Il faut départ nango et zalanano. Bouyaku tchakarabatu devant fait accompli que bon voilà toi bo sangana. Et ça moussala soudate. Un artiste azana moussala moko libéral. Alors moussala moko oyoki ou azoka plaisir naye ou azoka liberté naye d'expression quoi. Ou azoka liberté naye d'expression. Donc il faut qu'il y ait un début. Mais deux biens, vous allez bien. Mais est-ce que sous Kanango, vous allez bien? Mais le nom de Razoumano, encore une fois, tout ce soit honnête monument. Un doyen, le lot en activité. Qu'est-ce qu'il faut? Je risque Tropicana TV, Zana. Je risque de me répéter dans le lobby. Bon, Kamatana, nous, le lobby, bon, aux autres, le Petro. J'ai 54 ans aujourd'hui. Je ne suis plus encore un gamin d'hier. Bon, voilà. Topé, c'est responsabilité. En gros, à 100%. On s'adresse à la ministre de la culture. Parce qu'avant, il y a comme un ministre de la culture, on a déjà chanteur. Ça fait 33 ans qu'il y a un yemba. Donc avant, il y a comme un ministre de la culture, on a déjà chanteur. Bongo ba papa Taboulei, bongo ba vieux Simaro, bongo ba nani, bongo ba papa Wendo. Bala koko na yo alors. Alors, papa, pour le Tsukisa, nous avons un message de paix
un message d'espoir dans le peuple congolais, bah, au Talabiso Lelo. Surtout que mes parents, bah, Orlando Biso Plus, l'émission que vous avez diffusée presque dans la chaîne tout, puisque c'est une émission spéciale, qu'on aura l'occasion de passer sur TNC, en collaboration avec Tropicana TV. Papa Mba, bah, on suit l'émission de Kisangani, Goma, partout nous sommes en guerre et Zalaki. Est-ce que vous aurez un mot de paix, un message d'espoir dans le peuple congolais en général? C'est vrai qu'il y a eu un moment à traverser ça, il y a désert. Et notre pays, c'est encore un grand chantier. Tout ce qu'il y a, on va reconstruire un peu comme ça. Mélangeons-nous ce qui est au lingui mboka na biso. Est-ce que vraiment, yo ce qui est au lingui mboka na yo, ce qui est au lingui mboka na yo, ou quoi kama tapenza machete, ou quoi kama tapenza li kwangola, ou quoi kama tapenza mbeli, ou quoi kama tapenza flèche, ou beta moninga no wana, ou ta na courage wana te. Donc je crois que tout linga mboka na biso ndenge tozali komi linga biso moko to reconstruire mboka na biso to tika na kaka na bakonza mboka kaka te soki na bende ko tanga bakonza mboka omona ke oya sala ki période na ye aliki oyo muso asala pe période na ye aliki mais biso peuple tozakaka biso peuple tozali kaka donc to tika na kaka bakonzi bango moko te ba tonga mboka to se mélanger na bango. Tout s'est mélangé na bango. Oye si ka yo omoni ko kwa kusala, n'hésite pas de le faire, fais-le. Et surtout tous ali ko bota bana, mais to koti ke héritage nini na bana. Congo nini o to lingi to tike la bana. To tike la Congo ya salité, to tike la bana biso Congo ya mobulu, to tike la bana biso Congo ya mokongo na mongala bazoyo kanate, to tike la Congo na biso moyakana na monunu bazoyo kanate, to tike la Congo na biso mutetela na moyomba na ye mongo bayo kanakate. To tike la bana biso Congo oyo qui va faire beau à vivre et dans la paix. En tout cas, merci papa Mwemba Landing au PCB Sotan. Tout le cas qui m'a mis finalement de Zio. Merci en tout cas au nom de tous les spectateurs et à Tropicana et puis à RTNC qui nous suivront. À très bientôt. Alors, prochain concert est à quand? C'est au moins déjà mis balai. Sauf imprévu, avec l'accord du manager, on va peut-être faire un dernier concert. Peut-être le jour de l'an ou alors quelques jours plus tôt. Alors, amis téléspectateurs, vous avez suivi Papa Mwemba pendant près de 30 minutes. Il a tout dit. Toutes les questions que vous nous avez envoyées par email, on a essayé de lui poser. Voilà. À très bientôt sur Tropicana TV, RTNC. Merci. Bonsoir. Public. C'est pas mal, ça. Ah oui. On est dans une émission qui toque. Très bien. Il a fait un awana. Émission Moko. Olivier, tu ne sauras pas nous dire un petit mot. Ah, c'est bien ça. Olivier, c'est Fabien, pardon. Mais est-ce que tu peux, après, à la fin, filmer la pochette du disque? Non, oui. Comment? Tu l'as, la pochette du disque? C'est bien, non. Très bien. C'est pas le ministre. Tu l'as, c'est la pochette. Bien sûr. CD. Ah ouais, c'est bien. Là, ouais. Il faut filmer un peu, puis à la fin, ça se finit. Sur le zoom, en fait, les anciens concerts. Bah, Ministre Adjidé, c'est Ministre Adjidé, c'est qui? Ah, où tu es là? Moi, c'est moi. Moi, si. Yvette Guéné. Vumbo. Yvette Guéné Vumbo. Ah, c'est la Banque Centrale. Ben, Bindi, la culture, là. Avant, il y a comme un ministre, les gens. Ah. Non, ça, c'est pas mal, ça. Hein? Mais c'est le tel, là, c'est le tel, la primeuse, là, il va s'arrêter. Ouais, c'est le tel, ils arrivent même ici. Hein? À propos, on va parler avec papa. C'est le tel, ils arrivent même ici. Pour parler de Bolsonaro, ok. Soit un single, et puis, mi, on va tout à la baille. On va aux voilà. C'est ça, le rôle, là, le lot, toujours. Là, quand il faut le milieu, tu veux tout ça, la concert, ouais, cap. Mais on en vient trop. Parce qu'il y a eu déjà un support. Exactement. Mais nous avons un support. Quand je suis pour vous, vous êtes au milieu, les artistes congolais, vous êtes pour la fond. Baron Bazar va bouliste, va bouler.
C'est à vous maintenant de dire qu'est-ce qui se passe. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous associer Tropicana à projet. Mais alors, il y a un projet à Nengiwana, il faut toujours un support. Support où on a coupé sa thème. Coupé sa thème. Thème, il y a où tu sais quoi adhérer dans thème. Il y a où tu vas sur le bien dans le bien. Quand tu vas récolter fond. Resto du cœur. Avant, bas le balikamou. Bas ça y a non zéro resto du cœur. On a véhiculé message à Nengiwana. Si ça on veut réunir, j'y vais dans le balon. On a un guitariste dans la peau. Je suis un batteur. Parce que c'est-à-dire les gens ne vont pas adhérer pour la bilongue. Pour la message. Vous vous comprenez? C'est comme ça que ça se fait dans le monde entier. C'est-à-dire, we are the world. Et pourtant, ce sont de grosses têtes. C'est quelque chose qu'on veut vendre. Et puis, il ne suffit pas de faire la tournée comme fait un groupe, comme fait un artiste, qui est Kofi Ayaki, à Bétine à Bercy, à Bétine Zénith, et puis à Kéroubétan à Bruxelles, à Kéna, à Hollande, à Kéna. Non, il faut vraiment se donner dans la condition que les alliés. Ah, on programme tous les alliés déjà. Donc, si vous jouez déjà tout, vous voyez bien qu'il y a 30 dates, il y a tout ça là pendant. Exactement. Et pour associer aussi, comme c'est un truc à caractère humanitaire, pour associer ma structure plus locale. Non, il faut associer des structures d'ici, quelques télévisions, c'est un grand travail. Ah, mais viens, on est tout seul là. Si on a un contact avec ta CELTE, c'est avec qui? Avec qui tu as un contact? Azali Camerounais. Et là, mais. Oui, alors comme il directeur commercial là-bas. Pourtant, moi, je mets deux pieds dans cette telle. Enfin, je ne pas pour Moutounanga, on a un ballon, on y est, parce que je ne sais directeur commercial, adjoint à marketing, à ça, hollandais. Georges Bromboué. Oui, Georges, oui. Donc, Bango Barouya, avant fin de l'année. Bon, c'est des profanes, hein? L'artiste congolais, avec contrat. Moi j'ai un contrat avec eux. Ah ouais? Mais oui, c'est-à-dire que dans mon Yalélo, sans passer par lui artistiquement, parce que vous allez voir, va trahir. Est-ce que je veux comprendre? Donc, s'il y a un projet comme ça qui tient debout, absolument. D'autant plus que P. Azali, musicalement, est incontournable. Il y a eu bien la météo. Non, je connais pas. Ah bon? Peut-être qu'il y a un Tommy Ballet au Moutoubou. Ah, comme vous n'avez depuis quand? Ah non, je ne le connais pas depuis. Directeur commercial. Parce que petit, on a deux petits dominés dans le marketing. Donc, décision, tout, il y a marketing, il y a tout ça. En tout cas, il faut ça. En tout cas. Bon, quand on a tout, c'est ma soeur au film, il faut sucrer. Ça n'a rien à voir. Ok. On recommence. D'accord. Bonsoir Cissé. On s'est vu à Clairefontaine il y a un mois. J'étais avec Claude Maquel et Thierry Henry. On s'est fixé rendez-vous ici. Je suis là. Ça vous fait quoi, Cissé, que la presse congolaise
vous court derrière. Ça fait plaisir un peu que mon pays d'origine, l'Afrique, me suive aussi. Ah oui. Alors, si c'est, nous sommes là pour parler un peu d'actualité. Ce matin, j'ai lu dans Parisien, vous êtes partant pour Juventus des Tirs pour être associé à Nanda, si jamais Trezeguet partait. Il y a d'autres qui vous annoncent à Liverpool, il y aurait un pré-contrat. Il y a aussi Marseille qui est derrière. Alors, qu'en est-il, le justicier? Pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de décidé. Mon départ n'est pas sûr encore, donc il n'y a rien quoi, pour l'instant. Il n'y a pas de pré-contrat non plus, donc il n'y a rien. Alors, au Congo, il se prépare une grande fête du football. Après 5 ans de guerre, les Congolais veulent se retrouver. Il y a un grand match de football qui sera organisé. On a fait un petit sondage. Vous êtes parmi les joueurs congolais, les joueurs que les Congolais souhaitaient revoir dans cette manif. Vous êtes troisième, je vous informe. Alors, si c'est, qu'est-ce que vous dire au peuple congolais qui souhaiterait vous voir participer à ces grands matchs de football de paix? Bah, tout d'abord, je les remercie de leur soutien déjà, ça fait très plaisir. Puis bah, je leur dis que j'aimerais être parmi eux. Si le temps me le permet, je serai là sans problème. Alors, si c'est, vous. J'aimerais vous poser une question, c'est un peu pas d'actualité, mais quand même une question, c'est par rapport à la Coupe du Monde. La France a été championne du monde en 1998, sans attaque. Il y avait Trezeguet, Henry qui n'était pas au top. En 92, vous vous retrouvez à 3. Vous qui étiez tous champions, vous étiez tous le meilleur buteur dans vos championnats. On voyait la France rééditer l'espoir de 98. Bizarre, fiasco total. Qu'est-ce qui s'est passé, si c'est, une année après, s'il pouvait nous expliquer? Comme je disais, vous expliquer, c'est dur à expliquer, j'ai pas de raison en particulier. Ce qu'on voit, c'est que le résultat, la France a mal négocié sa Coupe du Monde. Donc, c'est le résultat qui compte. C'est vrai qu'on avait beaucoup de. On avait trois meilleurs buteurs dans trois championnats différents. Oui. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que les gens ne nous en veulent pas trop, puis que qu'on arrivera à. C'est par pardonner à la prochaine. Alors, au Congo, vous êtes populaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a déjà des références, il y a des jeunes qui s'appellent Cissé, Cissé, Cissé. Alors, Cissé, qu'est-ce que vous direz à ces jeunes qui s'appellent déjà Cissé au Congo? Bien avoir vous avoir vu venir jouer à leur pays. Ben, qui croient, s'ils veulent devenir footballeurs, je parle, qui croient bien sûr en leur rêve, même si c'est un peu difficile. Qui croient et qui s'approchent et ça arrivera. Merci Cissé. Au revoir. Ouais, cette fois-ci, c'est bon. C'est bon. Non, tous les deux. Voilà. Voilà.